Les amis, bonjour. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés, puisque ces dernières semaines, j'étais vraiment focus à fond dans la prépa. Là, on est lundi 2 septembre. La compétition, c'est ce week-end. C'est dans 6 jours, si je compte aujourd'hui. Donc, on y est. C'est passé vraiment vite. Ça a été 16 semaines de prépa qui ont été plutôt cool, très honnêtement. Même si là, sur la fin, ça a été un peu plus, pas compliqué, mais un peu plus intense, on va dire. Surtout au niveau de la fin. Un petit peu la fatigue, mais pas tellement. Sauf là, depuis 2-3 jours où je suis un peu plus fatigué. Parce qu'avec Vincent, on a réduit la diète pour que je puisse être au poids. Puisque je dois être sur scène, quoi, je dois être à la pesée à 98,4 kg si je ne me trompe pas. Là ce matin j'étais à 99,9, donc j'ai 1,5 kg à tomber en 6 jours, ce qui est très facile. Moi j'aimerais bien qu'on soit un poil en dessous du poids quand même pour que je puisse être large, en sachant que la pesée c'est le vendredi, donc la veille de la compétition entre 17 et 19h, donc en fin de journée. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est que bah forcément le poids qu'on fait le matin à jeun et le poids qu'on fait en fin de journée n'est pas le même puisqu'on s'hydrate, on mange, etc. Donc j'aimerais bien être large au niveau du poids pour que je puisse quand même manger un petit peu sur la journée du vendredi, m'hydrater sans avoir besoin de jeûner complètement pour être au poids le soir. Donc bref, de toute façon, on verra. C'est Vincent qui me dira ce qu'on doit faire. J'attends qu'il réponde à mon bilan de ce matin. Mais donc voilà, 16 semaines qui se sont super bien passées. C'est pas fini, hein, bien évidemment. C'est que la première échéance, on va dire que c'est un échauffement puisque c'est qu'un régional. C'est une compétition qui ne, entre guillemets, qui ne sert à rien dans le sens où que l'on gagne ou que l'on fasse, peu importe la place que l'on fait. C'est juste une compétition qui nous permet d'avoir la validation pour pouvoir participer à un pro qualifier. Moi, mon pro qualifier, c'est dans 4 semaines. J'ai toujours pas dit la destination. J'attends que le régional de Lille passe pour vous dire la destination. Puisque, comme je vous l'avais dit, je crois, dans le premier épisode, ou je ne sais plus, mais ça va être incroyable. Vraiment, je réalise toujours pas. Et je pense que pour 99,9% des gens du bodybuilding, c'est un rêve que je vais réaliser. Donc, vous verrez. Je vous en dirai un peu plus prochainement. Donc là, je vais vous filmer toute ma semaine juste avant la compétition. Donc il n'y a rien qui change en termes d'entraînement, etc. Vincent veut que je m'entraîne toujours pareil en essayant de mettre le plus lourd possible, etc. Puisque le physique que j'ai actuellement, c'est le physique que j'ai en m'entraînant comme ça, intensément, avec de la charge. Donc on ne change rien là-dessus. La diète, elle, comme je vous l'expliquais, elle a changé depuis un peu moins d'une semaine. Donc ça faisait 15 semaines que j'étais tout le temps sur la même diète sur mes jours d'entraînement. Là, on a réduit pour que je puisse être au poids, puisque ces derniers temps, le poids avait tendance à remonter un petit peu. Avec les carbs up, etc., il y avait un peu plus de mal à descendre. Je pense qu'on est arrivé à une certaine limite avec cette diète-là. Ça fait 15 semaines qu'on fait la même diète. À un moment donné, je pense qu'il fallait baisser un petit peu pour que le physique puisse bouger davantage. C'est ce qu'on a fait. Demain, départ pour Paris. Et ensuite, jeudi, départ pour Lille. Donc voilà, de toute façon, je vais vous filmer tout ça. En tout cas, vraiment, je voulais tous vous remercier parce que je reçois énormément de messages de soutien, d'encouragement. Et ça me fait vraiment plaisir, vraiment, vraiment. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, donner de la force. C'est très important, surtout pour ce qui va suivre. Parce que je vous le garantis, l'aventure qui suit après le régional de Lille va être incroyable. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé sur YouTube. C'est parce que j'avais envie de documenter toute cette prépa, car cette prépa est très spéciale pour moi. Je vous en dirai encore une fois un petit peu plus, ne vous inquiétez pas. Mais il y a plein de choses qui font que cette année, il faut que ce soit la bonne. C'est hors de question que je passe à côté de mon objectif pour cette année. C'est tout. Voilà. Allez les gars, à tout à l'heure. I know much I can't.
Inscription faite, numéro 263, un numéro qui n'a aucune, qui ne veut absolument rien dire, peut-être qu'il me portera chance. Là ils vont prendre ma taille, je vais me peser, après, je mange un petit peu parce que depuis ce matin j'ai pas beaucoup mangé vu que j'étais un peu à la limite pour le poids, donc avec Vincent on a géré tout ça et après on va manger un petit peu, je tiens au courant. Les amis, on se retrouve à la maison. L'enregistrement a été fait comme vous avez pu le voir. Donc j'ai été pesé au poids de 97,4, donc 1 kg en dessous de ma limite, puisque j'ai droit à 98,8. Donc on est large, en plus j'étais tout habillé. Donc depuis ce matin, Vincent m'a fait un petit peu manger, mais pas trop boire justement pour éviter de trop jouer avec le poids. Là, je lui ai fait un check-up en rentrant. Il m'a dit quoi faire. Donc là, on boit un peu plus, on mange. Je suis en train de me préparer 175 g de riz avec 60 g de poulet. Pas de sel puisque ce matin j'ai mangé beaucoup de crème de riz et il y a beaucoup de sel dans les crèmes de riz. Et vu que j'ai pas beaucoup bu, pour que l'on puisse réadapter cette balance du sel et de l'hydratation, on boit un petit peu plus, on sale pas pour ce repas-là. Et puis voilà, je vais manger ça, me reposer, je leur ferai un check-up d'ici quelques heures, on me dira quoi faire. Et puis voilà, je vous tiens au courant. En tout cas, moi ça va. J'ai été très fatigué ces derniers jours, c'est pour ça que j'ai absolument rien filmé de ma semaine. Parce qu'on a pas mal tiré, j'ai perdu 6 kg en 6 jours, il fallait que je perde 6 kg. Du coup, on l'a fait, mais c'était assez éprouvant, donc j'ai eu un peu la flemme de filmer, mais là, on est là. J'ai ma caméraman qui est présente pour filmer, donc elle va pouvoir vous vloguer un peu tout ce qui se passe ici dans l'appartement, et puis surtout vous filmer la journée de demain, en espérant que tout se passe comme prévu. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure, les amis. Passoire, donc c'est un peu la merde. Ça me fait un peu chier. On va se débrouiller. Parce que là, le moindre gramme de riz, les gars, c'est important. Hein. Donc là, les gars, il n'y a pas de passoire. Donc on essaye une technique un peu plan B. Parce que là, on est précis. Là, on s'amuse pas à gaspiller le moindre gramme de riz. Donc un peu une galère, malheureusement, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour mon riz. Ich. g de riz, cru bien évidemment, donc une fois cuit vous pouvez facilement multiplier par 3.
nous fait quasiment un bon 500 grammes, je pense, quasiment. Donc on va être pas trop mal. Ça va bien passer dans littéralement 5 minutes. Il n'y a plus rien. On va attendre un peu, c'est un peu chaud. Et ouais, plus le sel, de toute façon, on ne peut pas se foirer. Il ne faut pas se foirer. Bah non. En vrai, du riz. Ceux qui disent, ouais, tu manges du riz, et genre, on dirait que c'est un truc. Après, si du riz, très bon. On dirait que c'est de la merde de manger du riz, mais quand tu le cuisines bien. Fait, et puis, il y a toutes sortes de riz différentes. Ouais. Elle fait du riz thaï avec petits oignons revenus à la poêle, grillés à la poêle, avec un peu de crème fraîche allégée. Et tout. Oh là là. Et des petites herbes aussi. Ouais, des petites herbes avec un petit poulet cuit au four. Et elle y avait à bouffer, mais putain, je me suis régalé, les gars. Je l'avais pas laissé. Bon les amis, je viens de faire un check-up à Vincent, il est content, il me trouve très dur mais pas assez plein, il me trouve encore plein. Du coup, là il est 20h30, je mange mon cinquième repas qui sera donc 100 g de riz cru, 50 g de poulet, 60 pardon, et 5 galettes de riz avec 50 g de confiture, donc j'ai mis 10 g de confiture sur chaque galette. Je lui refais un check-up à 22h30. On voit ce que ça dit et je vais sûrement continuer de manger. Je bois aussi 2 litres, j'ai déjà bu 500 ml et j'ai encore 1,5 litre à boire avant 22h30. Et puis voilà, donc écoutez, il est très content mais pas encore assez plein à son goût. Donc il veut que je mange encore, que je m'hydrate un peu plus. Donc voilà, parce que là depuis ce matin, j'ai bu que, sans compter ce que je viens de boire là, quoi, quand je lui ai fait le bilan il y a 20 minutes, j'ai bu que 2,3 litres d'eau. Alors qu'habituellement, je bois entre 10 et 12 litres d'eau, donc je suis pas assez hydraté. C'est aussi pour ça qu'il faut redonner au corps un peu d'hydratation. Donc on boit et on mange. Et on sale aussi un petit peu. Donc voilà, let's go. Les gars, galettes de riz, confiture, c'est incroyable. La confiture bonne maman, fraise intense. La meilleure, ne sortez pas abricot, cerise, framboise. Je veux rien entendre, c'est confiture de fraises, les gars. Bon, c'est de la viande et des protéines, hein, de toute façon. Donc, tu me tiens au jus, tu me dis ce que tu veux faire. Il est en train de changer, je crois. Eh oh, laissez-nous plus tranquille. Donc, les gars, je viens de faire un check avec Vincent vidéo. Il a l'air d'être content. Donc, là, on est. Il va m'envoyer le sixième repas de la journée, le dernier. Après, je viens de coucher. Demain matin, on se lève tôt. Parce que je dois me tanner et tout. Donc, on va se lever. À 6h, bilan à Vincent, et ensuite direction l'enregistrement.
l'enregistrement, quoi, la compétition, etc. Donc là, j'attends les indications, il va me répondre d'ici quelques secondes pour savoir ce que je fais en termes d'hydratation, de sel et de repas. Et puis voilà, on va aller se coucher tranquillement. Je suis pas trop fatigué, j'ai faim. Je pourrais manger des quantités astronomiques actuellement, mais malheureusement, je vais me restreindre et me contenter de ce que me dit le frère Vincent. Donc, je vais attendre ce qui va me sortir pour mon dernier repas. Et puis, chouchou, on va manger, se coucher, prendre une petite douche aussi quand même un peu. Et on se retrouvera demain pour le jour J, les gars. On y est, 16 semaines de prépa qui sont passées comme ça, une vitesse complètement folle. Les prochaines passeront encore tout aussi vite, puisque dans 4 semaines, c'est l'échéance principale, le Pro Qualifier. Quand vous verrez cette vidéo, j'aurai annoncé l'endroit du Pro Qualifier, qui va être incroyable, restez connectés. Ça va être ouf, les gars. Expérience de malade que je vais vivre et que je vais partager avec vous. Donc, chaud, chaud, chaud. Allez, c'est parti. Vincent vient de me répondre pour mon dernier repas de la journée. J'ai 40 g de beurre d'amande, donc je vais mettre, je pense, 20 g de beurre d'amande, 20 g de beurre de cajou. Me faire 6 galettes de riz, une banane et 40 g de miel. Ça, c'est le repas qui fait plaisir. Je vais prendre la plus grosse banane. Hop. Ça, et j'ai 1 g de sel aussi et 1 litre d'eau à boire. C'est mardi. Demain, tu gagnes l'overall, il a dit Vincent. Écoutez, je sais pas si je vais mettre ça dans le vlog, parce que si on gagne pas, voilà, mais si on gagne, ce sera dedans et j'aurai gagné l'overall. Game time, 6h23 du matin, je me suis levé il y a 20 minutes, j'ai fait des photos pour Vincent, il va me répondre. La condition est vraiment vraiment bien, ça a super bien tiré cette nuit. J'ai pris 1,3 kg par rapport à hier avec tout ce que j'ai mangé, donc ça a bien rempli la condition. Le cul et tout, ça a bien tiré, donc voilà, les jeux sont faits, j'attends sa réponse, il va me dire quoi manger, quoi boire. En temps et en heure, et puis on va aller tranquillement se diriger sur le lieu de la compétition, se faire tanner, et après, let's go. Chier, 120 grammes de confiture. Un peu déçu là. J'aurais bien mangé 10 fois la même quantité. Mais bon. Je rentrais du Canada, un peu plus même, avec mon pipette qui est derrière. Et on y est déjà. C'est vraiment vite. Hein.
J'ai hâte d'être tout à l'heure, j'ai hâte de montrer le fruit de mon travail. Et j'ai surtout hâte de vous annoncer la suite. Parce que c'est pour ça qu'on en est là, c'est pour ça que YouTube a commencé. C'est pour suivre l'aventure. Et quelle aventure ça va être cette année, je vous le garantis, croyez-moi, ça va être incroyable. Donc restez connectés et chaud chaud chaud. Quand on s'entraîne à deux, c'est autre chose, on se pousse, on fait les débiles. Ah ouais, t'as mis 10 kilos de plus, bah viens, moi je vais en mettre 15. Et c'est comme ça qu'on se challenge et toutes les semaines, de semaine en semaine, de mois en mois, on est de plus en plus fort, on creuse de plus en plus. Donc je lui dois tout à ce gros monsieur, parce que encore une fois, si j'ai grossi cette année, si j'ai autant progressé, c'est en partie grâce à lui et au training qu'on a fait tous les deux. Il m'a jamais lâché, il est là et je sais qu'il le sera jusqu'au bout. Pendant bien longtemps, les gars. Voilà. Yes. Parfait, Rémi. Tiens. Merci. Yes. Serge Poitrine. Poitrine, la pause de stage. 17 cages. Double bicep de dos. Allez les fesses. N'oublie pas les fesses. Allez, voilà. Tiens bon. Lâche pas. Good friend. Give him a bit more room. Reste à l'église. Ok, double. Double bicep de dos. Ok, tiens. Merci.
Domino et Chris. Domino et Chris. Allez! Deux sur 21, chargé. Allez, arrête pas là. Allons-y les gars, en même temps. Lâche pas. Allez, ne lâche pas. Merci. Bicep cage. C'est bien. C'est bien, oui. Serre tout. Contracte tout. Double bicep de dos. Allez, oui. Voilà. Tenez-vous la place. Double bicep de dos. Domino et Chris. Allez, serre, pas le vacuum. Serre juste les abdos. Pour placer ta body. Oui, pause. Pause classique favori, les gars. Seulement Gaïa maintenant, just the winner. Ouais,
félicitations, tu vas être dans les overalls. Bravo! On va se voir plus tard. Dans quelques minutes. Catégorie. Les gagnants de chaque catégorie. Toutes catégories, c'est ça. Ok les gars. Il n'y a pas photo. Double bicep de face. C'est bien, oui. Parfait. Oui, oui, oui. Il est magnifique. Bicep calme. Allez, tiens. Les fesses. Voilà, serre les fesses. Rémi, serre les fesses, c'est bien. Double bicep de dos. Voilà. Allez, tiens. Allez, tiens. Voilà. Serre tout, Rémi. Voilà. Tiens là, tiens là. Attends, tiens. Allez, allez. Parfait. Pose classique favori. Merci. 263, 236 échangé. 272, 250 échangé. C'est ça. Double bicep de face. Allez. Allez. Super. Bicep cage. Voilà, allez, serre, serre, serre. Double bicep de dos. Domino et Chris. Bravo! Allez! Pose classique favori. Allez, au bout! Jusqu'au bout, allez! Face au juge! Allez! Parfait! Voilà! Allez, jusqu'au bout! Ok, on est prêt pour le pose down? Oui! Allez, fait première place dans ma caté sur 14 athlètes, donc je suis très content. Malheureusement je loupe l'overall, je sais pas du tout combien je termine, mais bon, peu importe. Première place, la suite je vais vous la dire sûrement à la fin de ce vlog, donc restez jusqu'à la fin puisque je vais vous annoncer la prochaine destination qui va être complètement folle. Ce sera pas l'île Grand Palais, je vous préviens, ce sera un peu plus grand.
Mais en tout cas, je voulais aussi tous vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous que j'en suis là. C'est aussi grâce à vous que je fais tout ça, que je m'améliore d'année en année. C'est parce que vous êtes là pour me motiver, pour me soutenir. J'ai des gens qui me soutiennent depuis maintenant de nombreuses années. Vous avez toujours été là, vous avez toujours cru en moi. Donc vraiment, merci. Elle est aussi pour vous, cette médaille, les gars. Et c'est pas fini, c'est que le régional, c'est que le début. L'objectif reste toujours le même, c'est cette putain de carte pro. Et je vous promets que je vous la ramènerai cette année. Et elle sera aussi bien pour moi que pour vous, je vous le promets. Donc chaud, 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 les gars, l'aventure continue.